Bonjour à tous. Alors, petite vidéo complètement improvisée. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Mais en fait, voilà, donc nous sommes le 1er janvier 2015. Et je reçois en fait en ce moment même des textos de mes proches pour me souhaiter la bonne année. Et en fait, j'avais pas envie de faire une vidéo sur YouTube comme on va voir sur toutes les chaînes pour souhaiter les vœux et tout parce que tout simplement parce que j'avais pas du tout envie de réfléchir à ça, que pour moi c'est quelque chose de naturel. Et je dis pas que sur les autres chaînes c'est pas du tout naturel, hein, non, mais personnellement, moi j'avais pas envie d'écrire un truc et machin, je voulais que ça vienne du cœur. Et je me suis dit, en fait, j'ai eu le déclic et je me suis dit, en fait, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne ou qui passent et qui laissent des commentaires, finalement vous avez fait partie de mon année 2014 et le retour du touchage de cheveux. Et j'avais trop envie de vous souhaiter une bonne année 2015 à vous. Vraiment, j'espère que cette année vous apportera la gentillesse, l'amitié, l'apprentissage et tout la spontanéité. Enfin, c'est hyper important. Donc, apprendre, toujours être curieux de plein de choses. Je pense à toutes ces personnes qui ne veulent pas apprendre et qui, du coup, ça déclenche une certaine peur des choses qu'elles ne comprennent pas et du coup, peur, haine, on le voit dans les petits trucs sociaux. Hein. Je sais pas, apprendre de l'autre, c'est hyper important d'être curieux et c'est hyper cool en fait. Du coup, nous, ça nous enrichit, nous, ça enrichit ton cœur, ça enrichit plein de choses Et voilà, et au niveau, je sais pas, moi, de la gentillesse, de la spontanéité, j'ai un petit exemple. Hier soir, en rentrant de ma soirée, donc j'ai carburé à l'eau, hein, donc je peux vous dire que je n'ai pas halluciné, mais en rentrant de ma soirée, il y a deux gars habillés en pingouins qui sont venus, qui ont traversé le trottoir et qui sont venus nous dire bonne année, plein de bonnes choses. C'est des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam et qui sont venus, qui nous apportent du bonheur, de la gentillesse, de la joie, et je trouve que c'est... ça fait du bien, ça fait du bien quoi. J'aimerais bien que, je sais pas, dans la vie de tous les jours, qu'il y ait plus de trucs comme ça, de gentillesse, d'entraide. Bon, sans dire d'inviter toute ta ville boire l'apéro chez toi tous les week-ends, hein, mais je sais pas, vivre dans la gentillesse, dans la joie, dans la spontanéité, c'est hyper cool quoi. Et pour ma part, moi je vais essayer de faire comme l'année dernière et voir toujours le bon côté de la vie, toujours voir le verre, oui, essaye de te lancer dans les proverbes le 1er janvier. Le verre à moitié plein qu'à moitié vide, la vie est pas forcément tout le temps évidente et l'avoir de façon positive, je sais pas, t'as qu'une vie, il faut essayer de la construire comme tu le sens, comme tu te sens bien dedans et essayer de la voir joyeuse quoi. Petit exemple. Hier à ma soirée, un gâteau s'est littéralement écrasé sur toute ma doudoune. Bon, ça peut faire chier comme ça. Mais tu te dis, j'ai passé ma doudoune à la machine à laver pour la première fois. Et ma doudoune passe à la machine à laver. Voilà, côté positif de la vie. Et maintenant elle est toute propre. Donc voilà, essayez de toujours voir la vie avec le smile et puis... Surtout, être bien entouré, ça c'est hyper important. Enfin, c'est bien de pouvoir se poser des fois et de se dire « Putain, je suis bien entouré, quoi. Je peux tenter des choses dans ma vie. Je peux, je sais que si je me casse la gueule, j'aurai des gens derrière moi qui vont me soutenir, qui vont m'apporter de l'amour pour pouvoir rebondir et pour pouvoir tenter plein d'expériences dans ma vie et tout simplement être bien, quoi. Donc, si vous avez des gens néfastes autour de vous, comme dirait l'autre, envoyez-les siffler là-haut sur la colline. Et puis voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre vie. Je vous remercie vraiment de participer à cette super expérience qui est mon humble chaîne sur YouTube. J'espère qu'on va apprendre encore plein de trucs ensemble dans cette année 2015. Et puis, pour ceux qui ont la gueule de bois, un petit café avec du sel, des lunettes de soleil, vous baissez les volets et ça devrait passer tout seul. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous re-souhaite une très bonne année 2015. Bisous!